Dis donc Internet, cette semaine, il n'y avait pas de bonus dans ma vidéo. Je sais pas si vous avez vu. Non, en fait, nous, on regarde pas la fin. Je mets toujours un petit bonus à la fin avec cette caméra-là qui est sur le côté. Et en fait, la semaine dernière, je l'avais oublié. Et du coup, j'avais les boules. Je me disais, ah non, c'est pas possible. J'appelle mon metteur en scène qui me dit, hey, je suis à côté de chez toi. Je chope la caméra, je viens. Il pleuvait des cordes. Il chope la caméra, il arrive en scoot, trempé. Il est dégoulinant, en sueur, il pue, c'est horrible, dans la caméra. Et là, je me dis, ça, c'est des beaux moments. Des moments de fraternité. Je prends la caméra. Je dis, putain, on a réussi, mec. Je pose la caméra et j'ai oublié d'appuyer sur REC. Ma vie, autant perdre mon temps, ça me saoule, mais perdre le temps des autres, bon. Et cette semaine, il s'est passé pas mal de trucs. C'était la journée de la lutte contre la violence faite aux femmes. Et c'était aujourd'hui, enfin hier du coup pour les gens qui regardent la vidéo. Et je trouve ça chouette, vraiment, vraiment très chouette. Mais je trouve que la communication, elle a été faite bizarrement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une femme sur trois qui se fait violenter dans le monde. Ça fait un paquet de connards. Et c'est à ces connards-là qu'on devrait parler. La communication, elle est faite en mode, faut arrêter de taper les femmes et tout ça. Mais les mecs, on leur a pas expliqué, et il faut leur dire clairement, c'est pas comme la journée sans voiture. Tu vois ? Bah oui, parce que la journée sans voiture, le lendemain, t'as le droit de prendre ta voiture. Et puis, il y a eu les primaires de la droite aussi. Je peux vous dire un secret ? Ouais, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le bol. Toutes les semaines, je te jure, il y a plus d'épisodes que dans Plus belle la vie. Oh, c'est insupportable. Je sais même pas comment ils trouvent des choses à raconter. Non, et vous, monsieur Juppé, bah, prenez ce que j'ai dit la semaine dernière, vous enlevez le mot Sarkozy, vous mettez Fillon à la place. Voilà. Ah ouais, parce que Sarkozy, il est parti, là. Il nous a quittés dans le dernier épisode. Ouais, comme une série américaine, ils ont tué le héros. Quoi ? Je l'ai vu partir, j'avais l'impression qu'il quittait la Star Academy. Avec tous ses potes qui font « Tu verras dehors, c'est que du bonheur !» Avec les juges derrière, ouais, il va peut-être pas rester longtemps dehors non plus. Hein, donc, Et donc j'ai regardé le débat. Fillon classe, détendu, comme ça. Bon, je suis pas venu comme ça, moi. 44% au premier tour, le lendemain, mais j'arrive, mais alors comme un ouf. Avec une bouteille de chambre. Wouhou ! Allez ! Hé, hey, ça va, Juju ? Petite coupette, sans rancune. Je fais 44% au premier tour, je me la pète. Hein. Je touche plus le sol, j'arrive avec une chaîne en or, des lunettes de soleil, une casquette. Brrrr. C'est qui a tué le game? Us! Us! Et même Juppé, je l'ai trouvé courageux d'y aller. Hein. Il le sait qu'il a perdu. J'ai envie de lui dire, prends des vacances. Je lui fais l'interview en FaceTime. Salut les petits loulous, bah voilà. C'était juste pour aller refaire plein de poutous partout. Et voilà, là je suis aux Seychelles. Parce que j'imagine l'ambiance dans le QG à l'après-midi, c'est pour la réunion. Juppé qui fait bon, du coup, je dis quoi ce soir? Et les collègues qui font pour. Pour le débat, c'est ce. Ah oh, putain, c'est ce soir! Oh là là! Oh! Mais je sais pas, moi. Je suis sûr, à la fin, ça a fini en jeu. Ils sont ok, on a trouvé avec Gérard. Alors, il faut que tu places le mot rhododendron et circonflexe. À toi! J'ai pas de couleur politique, moi je tiens à le préciser tout de suite, je suis contre tout moi, y'a pas de... Droite, gauche, je suis un gamin capricieux, j'ai... Non ! C'est nul ! Et lui aussi c'est nul, c'est tout nul ! Ça fait 16 ans que je vote, 16 ans qu'il se passe rien. Je veux bien croire en Dieu, mais y'a un moment, il faut un petit miracle pour aider. Genre, une promesse tenue. Oui, c'est déjà assez difficile de faire des promesses, si en plus faut les tenir. Eh hey, dis donc Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tout le public qui était présent ce soir. Rendez-vous le mercredi au samedi à 21h30 au Grand Bois des Vignes pour mon spectacle. Et le vendredi, on tourne. Merci beaucoup. Et cette semaine, il s'est passé pas mal de trucs. C'était la journée de la violence. La journée... C'est aujourd'hui.